Because we are 70% water and only 30% land. We try to create something new, and it's not just basically a copy of the form factor of everything else, but you still want it to be great. It's very hard. This is a very hard thing. I think he's legit. Like, everything I've looked at, it's like this guy actually made this thing which could totally revolutionize the world. It's just very difficult to make hydrogen and store it and use it in a car. You know, people always want to know what our next product is. We are actually building a new product. We are actually designing a new product. Two new products that I think you will be very excited about. Like, it's physically possible, so I think we can do it. Every truck that we put on the road that replaces a diesel truck is a huge amount of leverage, and so that is why we're doing this, and it makes a huge difference towards driving us towards our total mission of sustainable. Le concept d'utiliser l'eau comme source principale de carburant pour les véhicules est discuté depuis des décennies. Souvent vu comme une idée futuriste, voire extravagante, cependant, si quelqu'un pouvait en faire une réalité, ce serait Elon Musk. Avec ses vastes ressources, son expertise et une équipe d'ingénieurs de classe mondiale, Musk repousse maintenant les limites de ce qui est possible. Un moteur à base d'eau pourrait changer fondamentalement notre approche de l'énergie, du carburant et du transport. Qu'est-ce exactement qu'un moteur à eau? Comment cela fonctionne-t-il? Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du transport et de l'environnement? Et peut-être plus important encore, comment Tesla prévoit-elle de le rendre réalité? Chapitre 1. La vision. Derrière le moteur à eau. Elon Musk n'a jamais hésité à exprimer sa vision de l'avenir. Depuis des années, il est un défenseur vocal de l'énergie durable et de la réduction de l'empreinte carbone de l'humanité. Son travail avec Tesla s'est principalement concentré sur les véhicules électriques, qui sont considérés comme une étape critique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, Musk comprend que la lutte pour la durabilité nécessite encore plus d'innovation et de disruption. L'idée d'un moteur à eau est enracinée dans l'engagement de Musk pour l'énergie propre. Contrairement aux moteurs à combustion interne traditionnels qui dépendent des combustibles fossiles, libérant des émissions nocives dans l'atmosphère, un moteur à eau utiliserait l'eau comme source principale de carburant, créant une alternative beaucoup plus propre. Cela s'aligne parfaitement avec la mission plus large de Musk de hâter la transition mondiale vers une énergie durable. La motivation derrière le développement d'un moteur à eau va au-delà de la simple réduction des émissions de carbone. Musk est conscient depuis longtemps des ramifications géopolitiques et économiques de la dépendance aux combustibles fossiles. La volatilité continue des prix du pétrole, couplée aux conséquences environnementales du forage et de l'extraction des combustibles fossiles, a clairement montré que le monde a besoin d'une source d'énergie plus durable et équitable. L'eau, abondante et renouvelable, offre une solution prometteuse. Musk imagine un avenir où les véhicules ne sont pas seulement électriques, mais alimentés par l'eau. Un avenir où l'énergie propre est disponible pour tous, pas seulement pour ceux qui peuvent se la permettre. En rendant cette technologie accessible et abordable, Musk croit que Tesla peut mener la charge pour créer un avenir plus vert et plus durable. Chapitre 2. La science derrière le moteur à eau. Pour comprendre comment fonctionne le nouveau moteur à eau de Tesla, il était nécessaire de plonger dans la science qui le rend possible. Le concept d'un moteur à eau n'est pas complètement nouveau. Des scientifiques et des ingénieurs explorent l'idée depuis des années, mais la mise en œuvre pratique et efficace restait insaisissable jusqu'à présent. La clé du moteur à eau est l'hydrogène. L'eau, comme nous le savons, est composée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. H2O. En divisant l'eau en ses parties constituantes, on peut obtenir du gaz hydrogène qui peut ensuite être utilisé comme source de carburant. Ce processus, appelé électrolyse, utilise un courant électrique pour séparer les molécules d'eau en hydrogène et en oxygène. Cependant, les méthodes traditionnelles d'électrolyse ont été très énergivores, nécessitant souvent plus d'énergie pour produire de l'hydrogène que l'énergie qu'il fournit. Cette inefficacité a été un obstacle majeur à l'adoption généralisée de l'hydrogène comme source de carburant. Mais le moteur à eau de Tesla adopte une approche différente.
Musk et son équipe d'ingénieurs ont développé une nouvelle méthode d'électrolyse plus efficace, utilisant des matériaux avancés et des technologies de pointe pour réduire l'énergie nécessaire à la production d'hydrogène. Cette avancée rend le moteur à eau non seulement viable, mais aussi extrêmement efficace. Une fois l'hydrogène produit, il peut être injecté dans une pile à combustible. Dans une pile à combustible, l'hydrogène réagit avec l'oxygène de l'air pour produire de l'électricité, avec de la vapeur d'eau comme seule émission. Cette électricité peut ensuite être utilisée pour alimenter un moteur électrique, tout comme un véhicule électrique traditionnel. Cependant, contrairement aux véhicules électriques traditionnels qui dépendent des batteries, un véhicule à hydrogène peut être ravitaillé en quelques minutes et offre une autonomie bien plus longue. Le moteur à eau de Tesla incorpore également une méthode innovante de capture et de recyclage de la vapeur d'eau émise par la pile à combustible, la transformant à nouveau en eau liquide et l'utilisant à nouveau pour l'électrolyse. Ce système en boucle fermée réduit considérablement la consommation d'eau et augmente l'efficacité globale en faisant l'un des systèmes d'énergie les plus durables jamais développés. Chapitre 3. Surmonter les défis. Développer un moteur à eau n'est pas une mince affaire, et il existe de nombreux défis que Tesla a dû surmonter. Le premier et le plus important défi est l'efficacité de la production d'hydrogène. Les méthodes traditionnelles d'électrolyse ont été très énergivores et coûteuses, ce qui rend l'hydrogène une source de carburant peu pratique pour la plupart des applications. Cependant, la nouvelle technologie de Tesla promet de rendre l'électrolyse beaucoup plus efficace et abordable, rendant potentiellement l'hydrogène un carburant viable pour le marché de masse. Un autre défi est le stockage. L'hydrogène, sous forme de gaz, est hautement inflammable et nécessite une gestion et un stockage prudents. Tesla a développé un nouveau type de réservoir de stockage d'hydrogène, qui est à la fois léger et extrêmement sécurisé, fabriqué à partir de matériaux composites avancés. Ce réservoir peut supporter des températures et des pressions extrêmes, garantissant que l'hydrogène est stocké de manière sûre et efficace. De plus, l'infrastructure de ravitaillement en hydrogène est actuellement limitée, avec seulement quelques stations disponibles dans certaines régions. Tesla a annoncé des projets pour construire un réseau de stations de ravitaillement en hydrogène similaire à son réseau de superchargeurs pour véhicules électriques. Ces stations seront stratégiquement situées le long des autoroutes principales et dans les centres urbains, garantissant que les véhicules Tesla alimentés à l'eau auront un accès facile au ravitaillement. De plus, il y a le défi de la perception publique. L'hydrogène comme source de carburant a fait face à du scepticisme en raison des préoccupations concernant la sécurité et de la perception qu'il est moins pratique que les carburants traditionnels. Tesla devra convaincre les consommateurs que l'hydrogène n'est pas seulement sûr, mais aussi une alternative supérieure à l'essence et même aux batteries électriques. Cela nécessitera un effort significatif en marketing et en éducation. Mais si une entreprise peut le faire, c'est bien Tesla. Chapitre 4. Les merveilles de l'ingénierie. Derrière le moteur à eau de Tesla. L'un des aspects les plus passionnants du nouveau moteur à eau de Tesla est l'ingénierie qui a permis de le rendre possible. Elon Musk a toujours été connu pour repousser les limites de l'ingénierie et le moteur à eau ne fait pas exception. Au cœur du moteur à eau se trouve une nouvelle pile à combustible brevetée qui est plus petite, plus légère et plus efficace que tout ce qui est actuellement sur le marché. Cette pile à combustible utilise un catalyseur novateur qui accélère considérablement la réaction entre l'hydrogène et l'oxygène, produisant plus d'électricité avec moins de déchets. Le résultat est une pile à combustible, non seulement plus efficace, mais aussi plus durable, capable de durer des centaines de milliers de kilomètres sans se dégrader. Tesla a également développé un nouveau type de cellule d'électrolyse utilisant des matériaux avancés pour réduire la consommation d'énergie. Les cellules d'électrolyse traditionnelles utilisent du platine ou d'autres métaux coûteux comme catalyseurs, mais la nouvelle cellule de Tesla utilise un alliage breveté, moins cher et plus efficace. Cette innovation pourrait réduire considérablement le coût de la production d'hydrogène
le rendant compétitif avec l'essence et le diesel. Le véhicule lui-même est également une merveille d'ingénierie. La voiture alimentée à l'eau de Tesla présente un châssis léger fabriqué en aluminium à haute résistance et en fibre de carbone, ce qui réduit le poids et améliore l'efficacité énergétique. Le design aérodynamique de la voiture minimise la traînée, améliorant encore son autonomie et ses performances. À l'intérieur, le véhicule regorge de technologies de pointe, allant du système d'infodivertissement à la fine pointe de la technologie aux fonctionnalités avancées d'assistance à la conduite. Le moteur à eau de Tesla n'est pas simplement une amélioration incrémentielle des technologies existantes. Il représente un changement fondamental dans la manière dont nous concevons l'énergie et les transports. En combinant des matériaux avancés, une ingénierie innovante et des technologies de pointe, Tesla a créé un véhicule non seulement durable, mais aussi pratique et abordable. Chapitre 5. L'impact sur l'industrie automobile. L'annonce d'Elon Musk concernant un moteur à eau provoque déjà des vagues de choc dans l'industrie automobile. Pendant des années, les véhicules électriques ont été considérés comme l'avenir du transport, avec des entreprises comme Tesla en tête de file. Cependant, l'introduction d'un véhicule à moteur à eau pourrait changer totalement la donne. Les constructeurs automobiles traditionnels ont été lents à adopter les véhicules électriques, citant souvent des préoccupations concernant l'autonomie, l'infrastructure de recharge et le coût des batteries. Un moteur à eau pourrait résoudre beaucoup de ces préoccupations, offrant une alternative propre et efficace à l'essence et au diesel, sans les inconvénients des véhicules électriques traditionnels. L'introduction d'un moteur à eau pourrait forcer les autres fabricants à repenser leur stratégie. Les entreprises qui ont massivement investi dans les véhicules électriques pourraient devoir se tourner vers l'hydrogène, tandis que celles qui ont tardé à adopter de nouvelles technologies risquent de se retrouver à la traîne. Cela pourrait entraîner un bouleversement majeur dans l'industrie, avec l'émergence de nouveaux acteurs et la difficulté pour les anciens de suivre le rythme.